Bien. Après concertation avec mes associés, nous émettons un avis favorable à l'admission de votre fils dans notre ESAT. Norman peut commencer à venir travailler dès lundi prochain. Sauf, bien entendu, s'il n'est pas assez motivé. Si, 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 bien sûr. Bien. Madame Legozzi? Oui. Il ne vous reste plus qu'à visiter notre foyer d'hébergement. Voici le plan pour vous y rendre. Si tout se passe bien, nous nous reverrons lundi. Oh, merci, merci. Merci, 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 merci. C'est par où? Norman! Ah, c'est là, à droite. Oh, ne fais pas le bébé, Norman. Ils ne vont pas te manger tout de même. D'accord. Ne t'inquiète pas. On fait un tour et on repart, d'accord? Ça marche. C'est peut-être fermé. Norman, il n'y a aucune raison que ce soit fermé. Allez, suis-moi. Ah oui, bonne idée. Bonjour, je suis Madame Shelley, je viens visiter le foyer avec mon fils. Dis bonjour, Norman. Bonjour, Norman. Veuillez faire, messieurs, dames, je vais vous emmener à notre directeur. Monsieur le directeur, voici vos invités, Madame Shelley et son fils. Ah, entrez, entrez donc. Madame Shelley, enchantée. Norman, bienvenue. Nous vous attendions. Je vous en prie, ne perdez pas de temps. Allons visiter votre dernière... Pardon. Je veux dire votre futur demeure.
Surtout, vous ne perdez pas de vue, c'est à voilà bien, petit. Et voici le bureau de notre psychiatre. Salut Dodi. Je m'appelle pas Georgie, moi. Est-ce que tu veux un ballon? Ici, pas une touche privative. Les pensionnaires vivent tous à la même salle de bain. Les crêpes, non, pardon. Cette pièce sera préservée toute l'activité. Pardon. Merde. Je vous donne un pardon. C'est tout à fait inhabituel. En général, c'est plutôt monsieur Alfred qui se prend de raison sur la ligne. Voici Freddy, notre coiffeur animateur de veille. T'as mal, petit chauve-dou, petit papa? Tes parents sont partis, ton mari est parti. Et voici Jason, notre moniteur de sport. Dans leur chambre, alors qu'il est. Mais tu verras normal. Ces camarades de chambre sont tout à fait charmants. Les plats sont vraiment délicieux ici. Normal, nous prêtons une attention particulière à l'équilibre des menus. Ta mère, si c'est quenelle, quenelle, purée de carottes, petits pois, haricots verts, tomates. Vraiment, la diététique est l'une des vertus essentielles de notre maison. Mètres carrés, baie vitrée donnant sur le jardin. Matelas noir de fond. Fauteuil massant à vibration. Télé très haute définition. Et bien entendu, toilette privative. Tout le confort de l'homme moderne réuni en une seule pièce. Avec tout ça, normal. Marie-Curie, normal. Je dois vous avertir. La légende raconte que cette chambre est maudite. Maudite pour avoir déconstruit sur les vestiges d'un cimetière de marins. Morts durant la Grande Guerre, leurs tombes ont été profanées par de vils entrepreneurs, peu respectueux du repos de ces pauvres âmes. Les fondations de cette chambre auraient été directement bâties sur leurs cadavres, putréfiés. Alors, la légende raconte que l'un des marins ressurgirait des profondeurs nauséabondes d'enfer. Armé d'une hache pour assouvir sa soif de vengeance sur tous ceux qui osent pénétrer ce sanctuaire. Mais c'est une légende, bien entendu. Ah!
Je veux savoir ce que vous foutez dans mon bureau. Ah, Antonio, quelle belle surprise! Justement, on est en train de nettoyer votre bureau. Oui. Et c'est comme ça que vous faites le ménage, les pieds sous mon bureau. Et qu'est-ce que c'est que cet accoutoiement? C'est pas le club med ici. Mais c'est Halloween, monsieur. Tout le monde aime se déguiser. Je veux pas savoir. Foutez le gant de mon bureau et allez bosser. Tout de suite, monsieur le directeur. Éteignez-moi donc cette bougie. Vous allez foutre le feu à quelqu'un avec ça. Et qu'a donné la visite de notre nouvelle recrue? Norman Shelley, je crois avoir aperçu une voiture en arrivant. Je crois qu'il ne s'est pas très convaincu, monsieur. Quoi? Encore? Eh oui, malheureusement. Vous savez, il est brûlé sur l'handicap. Ah, bon sang! Allez, allez! Mais c'est pas possible! Je vais jamais pouvoir trouver un locataire! Mais qu'est-ce qui peut bien clocher avec cette chambre? Et voilà! Ni sur la coupure, on n'est pas prêt de revoir ces deux-là! Non mais où? On va quand même leur laisser la plante du foyer. Allez, faites péter la musique.